et j'ai peur de me sourire. Et si sa vie n'était qu'un jour, et si on se manquait de nous, les gens sont si faibles. Prise de tête, moi qui me sentais détestable. J'essayais de te Tu veux dire, hein? Tu veux dire, là?
ça parle de cacahuètes, laisse le vivre. Fais attention à toi, frérot. Fais pas n'importe quoi, frérot. Écoute tous tes parents. Allez, heureux. J'ouvre autour de toi, frère. J'ouvre tous les parents qui t'ont dans un phare. C'est ça que tu veux. Hein? C'est ça que tu veux. Allez, va, gros. Allez, décolle pas. Je crois que c'est ça la vie. Je crois que c'est ça la vie. Toi, je suis le J'ouvre, apprends. Elle a rien dit, là. Ne fais pas le com, frère. Réussis. Montre-nous qui tu es. Montre-nous de quoi tu es capable. Ramène des diplômes. Parce que la Kalachnikov, pas la Kalachnikov. C'est un culé, gros. Les jeunes, ils sont à l'ouest, gros. À Marseille, dans le sud, au quartier nord. Ils se tirent dessus avec des armes des pays de l'Est. C'est comme, gros. C'est comme, là. On n'a pas besoin de ça, nous. Hein? On n'a pas besoin de ça. Ne pas se faire toutes les victimes. Aux parents, aux familles, aux amis. Qui ont passé tout ça que t'es. Hein? Eh, sur ce, je t'embrasse, gros. Eh, dis, je vais compris. Les parapluies, je suis sûr qu'il n'y a pas de France. Et ils sont arrivés à midi. À midi, quand ils ont organisé quelque chose pour 15h, ça rend un peu nerveux. Donc je voudrais vous remercier à tous. Je voudrais remercier les jeunes hommes. Je voudrais remercier les plus petits qui étaient là tout à l'heure avec moi. Je voudrais remercier toutes les dames présentes. Mais plus que tout, je voudrais mettre aussi à l'honneur les hommes. Parce que moi, j'ai découvert ce combat. J'ai découvert ce combat, si vous voulez, face à la violence faite aux femmes. Et parce que dans ma tête de naïf, quand je pense à une femme, je pense forcément à une maman, à des enfants. Tout à l'heure, il y a un jeune homme qui m'a dit quelque chose de formidable. En fait, on est là, avant toute chose, pour l'avenir, pour les enfants. Et bien entendu que ça concerne aussi les parents. Donc je vous remercie. Je voulais juste souligner ce point, parce que je mène beaucoup d'actions. Des fois, même moi, je me demande ce que je fais. Parce que souvent, je vois marquer « nous toutes ». Non, mais c'est pas « nous toutes », en fait. C'est... La justice est passée. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous les vivants et en particulier les plus jeunes, pour vous dire et redire de ne plus accepter la violence, ni la violence qu'on aurait à subir, ni la violence qu'on serait tenté de commettre, car rien ne justifie la violence. La question ici n'est pas d'opposer les uns contre les autres, comme je l'entends trop souvent par les débats autour des violences. Conjugale, notre ambition, c'est au contraire de s'unir et de s'entendre à force à face à ce fléau qui ne cesse de dévaster nos familles. On est tous concernés, enfants, femmes, adolescents et hommes, bien évidemment. Et c'est tous ensemble, que nous devons faire face avec l'appui des autorités et d'une justice à la hauteur de ces crimes lâches et gratuits. Ce banc rouge autour duquel nous sommes rassemblés aujourd'hui ne cesse de se multiplier partout en France, dont le dernier à Rognac et bientôt un autre à Berre. C'est une véritable chaîne de solidarité qui se développe de ville en ville. Merci Didier. C'est un prétexte pour faire naître le dialogue sur cette question de société, mais c'est aussi un appel à la vigilance de chacun pour qu'il dénonce la violence autour de lui. Tous concernés, tous ensemble, les yeux ouverts et l'âme bienveillante, merci de tout cœur d'être aujourd'hui encore solidaire à nos côtés. Il y a 2 ans maximum, j'ai rencontré M. Didier Quelfa. Parce qu'en fait, avant, moi, j'étais dans mon monde avec mon collègue, par exemple, nous, aller travailler, Brignoles, Saint-Tropez, Manosque, pour nous, c'est normal. Nous, on n'est jamais là, en fait. Donc, j'ai découvert, il y a 2 ans, M. le maire, M. Didier Quelfa, un homme investi, un homme présent, un homme qui répond toujours favorablement. Et il m'a ouvert les yeux, en fait. Il m'a ouvert les yeux et moi j'aimerais, vous savez, qu'on soit 40 ou qu'on soit 50, peu importe le chiffre, mais j'aimerais que vous retourniez et que vous regardiez qu'on a tout pour être heureux. On a tout pour être heureux. Donc, tout à l'heure, il y avait une chanson, quand j'ai enterré ma fille, on m'a dit de choisir une chanson. Forcément, on n'avait pas le même goût artistique. Ma fille, elle adorait Bengoz. Mais devant moi, le jeune homme qui est là, les deux jeunes hommes qui sont là,
C'est la vérité en fait. On est ici, on est en France, les Kalachnikovs ou pas les Kalachnikovs, excusez-moi, on n'en a rien à foutre en fait. On n'en a rien à foutre, pourquoi? Parce que, par exemple, le mec a tué ma fille, hein. Aujourd'hui, vous savez c'est quoi? Je ne saurais pas comment le qualifier. Je ne saurais pas comment le qualifier parce que pendant 5 jours, il a regardé ses pieds. Pendant 5 jours, il a regardé ses pieds. Ça n'a pas été un homme en fait. C'est pas quelqu'un qui a dit j'ai fait ça. Il a dit je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès de frapper quelqu'un pendant 3 heures jusqu'à ce qu'elle meure. Voilà. Donc ce que je voudrais dire à ce jeune homme, quand je te vois, franchement, je vois l'espoir, je vois la vie. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ça, les gars. La drogue, pas la drogue, les coups de pied, les calibres, pas les calibres. Par contre, les mecs qui veulent faire la guerre, il faut aller en Ukraine là-bas. En Ukraine, je vous jure, les Ukrainiens, ils ont un appétit de dégueu, tu vois. Voilà. Donc ici, on est en France, on est en Provence, on est dans un beau pays. Et moi, je voudrais me battre avec DJ Kalma. Pourquoi? Par exemple, moi je suis partant, vous amenez faire un tour, vous faire découvrir notre région, vous faire. Par exemple, je vois cette dame en face de moi, mais je suis ravi de voir une dame. On est tous concernés par ce problème. Donc je voudrais vraiment vous dire merci et je voudrais qu'on se batte tous ensemble, surtout ces deux jeunes hommes, le jeune homme qui est là. Il ne faut pas banaliser la violence, il faut arrêter de faire je l'ai ruiné, pas ruiné. Parce que par exemple, le mec a ruiné ma fille. J'aimerais bien qu'il ruine à moi, je serai. Parce que faire le barjo devant une femme, devant un enfant, 4 ou 5 sur un mec, c'est facile. Mais par contre, je vous garantis un truc, je ne me cache pas. Jean-Jacques Bertin, 06 46 02 21 55 18 Sénat, des plaines sud, il a de la famille. Hein. Et bien j'aimerais qu'il vienne me faire ses autres à la fille. Parce que la violence, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Donc c'est, je veux dire, moi, aujourd'hui, le message que je fais passer, il ne faut pas banaliser la violence et ça apporte rien de bon. Donc je compte sur vous pour comprendre que même à l'école, on n'est pas là pour ma fille, en fait, on est là pour les vivants. À l'école, ça ne sert à rien de se battre dans la rue, ça ne sert à rien de se battre. Par contre, je crois que le fils de M. Kalfa, il a une super idée. Apparemment, il s'entraîne avec mon fils. Son fils, c'est pas M. Kalfa, il n'a pas osé. Ils se sont mis, je ne sais pas quoi, là, au MMA ou un truc comme ça. Là, les gars, c'est des hommes, c'est des gars qui s'affrontent avec des règles, etc. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez faire du sport, inscrivez-vous dans un club de sport, quoi, mais pas dans la rue et pas à l'école. En tout cas, je vous remercie beaucoup, même si on n'est pas beaucoup. En fait, on est beaucoup. Parce que ce jeune homme, s'il parle avec 10 collègues à lui, si vous, là, vous parlez avec 10 collègues à vous, si en sortant d'ici, vous faites passer un peu des messages sur les réseaux, eh bien, le seul message à faire passer, on est en Provence, on est bien, on est dans un joli village et on a juste envie d'être heureux. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Madame la représentante de Jean-Marc Zulesi, notre député. J'étais venu en disant aujourd'hui, on rend hommage à Laura. Aujourd'hui, une nouvelle fois, malheureusement, une fois trop encore, on va avoir une action de lutte contre les violences totales. Et quand je t'entends parler, je me dis que finalement, oui, on est là pour Laura, on est là pour dire stop, arrêtons ces violences. Mais tu l'as dit, tu l'as très bien dit, on est là surtout pour célébrer la vie. Et surtout garder l'espoir. Alors quand on regarde le contexte, on se dit garder l'espoir, c'est difficile. Hein. Vanessa l'a dit, et encore il y a très peu de temps, Schurbert, pas si loin que ça. Encore une dame qui décède sous les coups de son mari. Ici, il ne se passe pas une semaine sans que la gendarmerie ou la police municipale ne doivent intervenir pour mettre fin à des disputes et très souvent ou trop souvent des violences faites, des violences conjugales. Alors oui, je veux bien garder espoir, oui, je veux célébrer la vie. En tout cas, c'est ce qu'il faut se donner comme leitmotiv et je fais bien ton message, Jacques. Mais aussi, il ne faut pas se fermer les yeux et il faut continuer à militer. Il faut continuer à dialoguer. Il faut continuer à faire comprendre, un, aux dames victimes de violences, ben, qu'il y a des lieux pour libérer la parole. Ce banc en est l'exemple, mais pas que. Il y a des lieux d'accueil, je pense à Istres notamment, où on a une association qui a ouvert un lieu d'accueil et un point d'écoute. Donc il faut faire comprendre que ces personnes ne sont pas seules, même si parfois la démarche est très compliquée et parfois même le processus pour mettre fin à ces violences prend du temps et parfois s'avère inefficace. Et puis il faut faire comprendre aussi aux agresseurs, aux,
personnes qui préfèrent s'exprimer par la violence plutôt que par les mots, il faut leur faire comprendre que ça ne peut plus durer. Et que le regard, il ne doit pas être vis-à-vis de la victime en disant un regard de compassion, un regard de peine. Mais le regard, et surtout nos regards, doivent se porter sur les agresseurs, et plutôt un regard de haine, un regard de mépris, un regard de « je te réglerai bien tes affaires ». Il faut, et c'est ce que tu disais à un moment donné, Jean-Jacques, il faut que la peur change de camp. Oui, effectivement, il faut que la peur change de camp. Et à tous les niveaux, qui que nous soyons, quelles que soient nos fonctions, il faut qu'on diffuse ce message. Il faut qu'on diffuse ce message en disant il y a des lieux, il y a des personnes, il y a des structures, il y a des lieux d'accueil maintenant pour prendre en compte ces problématiques. Et il faut qu'on se montre intransigeant vis-à-vis de ceux qui commettent ce genre d'actes. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais c'est simplement dire qu'effectivement, on avait initié ce banc rouge. On l'a un peu diffusé. Il y a eu Sénas, Oron, dernièrement Rognac, où mon ami Marc était présent pour me représenter. Prochainement, il y a Berne. Donc partout, ben, ça continue. Et je crois que cet élan ne doit pas cesser, il doit continuer à perdurer. Multiplions ces lieux ou ces espaces qui sont trop en rien, un banc de couleurs, mais qui sont tellement et qui signifient tellement de choses, notamment vis-à-vis de celles qui subissent ce genre d'oppression, qu'il faut continuer à faire passer cela. Et en tout cas, nous, au niveau de la commune, au niveau du conseil municipal, on sera toujours à vos côtés. Donc Vanessa et Jean-Jacques, déjà, on vous remercie pour tout ce que vous faites pour porter ce message. Et quand je dis porter ce message, porter ce combat. Et on sera toujours à vos côtés pour essayer de faire en sorte que, un, la peur change de camp, et deux, que la moindre situation, début de situation, puisse être pris en compte très rapidement avant qu'on en arrive au pire. Un grand merci pour votre présence, puisqu'effectivement, c'est symbolique. Mais parfois, les symboles valent et signifient beaucoup de choses. Merci à tous. C'est pas le gendarme qui arrive à 23h, l'autre qui est peine de vin et peine de lire. Ben, le gendarme, à part un peu calmer la situation, c'est nous, les citoyens, qu'aujourd'hui, on doit dire stop, stop. Vous savez, Marie, j'ai vu mon mec avec sa chaîne en or, il fait peur à tout le monde et tout. Oui, quand il fait peur à tout le monde, il fait peur aussi à sa femme et à ses enfants. Voilà. Donc aujourd'hui, mon dernier message, en fait, quand vous avez un chéri, un cousin, un frère nerveux, il faut dire qu'il aille se faire soigner. Vous savez que de temps en temps ici, se faire un arrêt de travail, une semaine pour la grippe ou pour le rhume, et bien là, il faut qu'il aille se faire soigner 2 mois dans un hôpital spécialisé. Donc moi, je vous dis un dernier mot, je vous dis merci, mais surtout, n'acceptez plus la violence. Et par contre, nous, on peut vous aider, mais on ne peut pas vous sortir de là. C'est vous qui devez vous en sortir et dire stop, la violence est fine. Voilà. Donc je voulais remercier ce jeune homme, je voulais remercier les deux petits jeunes qui sont là-bas, toutes les mamans qui sont là et tous les papas, y compris la gendarmerie, même si ils sont durs avec le téléphone. Hein. Voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et surtout, n'acceptez plus la violence. Je vous remercie, bonne journée, au revoir. Merci.